400 ans c'est déjà assez pour nous. Faut rester soudé qu'on soit noir ou blanc. Même si l'histoire veut compliquer la vie. De toute façon, à la fin, on sera tous ensemble. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Chez équipe, c'est reparti pour une petite vidéo actu du lundi. Balki, pour commencer petite actualité du lundi, on va parler de Jadja et Jenas. Puisqu'en gros, ben, leur album Spleen est certifié triple disque de platine. C'est une dinguerie. Avec plus de 300 000 équivalents ventes. Donc ouais, respect à eux. C'est un truc de ouf. Ensuite, il y a un mec qui était en galère sur une aire d'autoroute et il allait justement en direction de Marseille. Et en gros, ben, il a demandé à des gens, justement, ben, de pouvoir le ramener, etc. avec eux, tu vois. Et en gros, ben, les personnes ont accepté et c'était l'équipe de Naps. Et il y avait Naps, justement, avec eux. Donc ouais, vraiment, respect à eux. T'imagines la dinguerie? Bref, regardez. Et là, je viens d'arriver à Marseille. Je demande à des frérots comment je vais à Saint-Charles. Ils m'ont dit, vas-y, on le dépose. Mais en fait, c'est Naps et son équipe. Non, c'est fort Marseille, hein. Vous êtes des braves. Ensuite, on a Fresh La Feufra qui est passé en interview avec Guillaume Play sur la chaîne Légende. Et en gros, ben, il a parlé de Nouvelle École et de comment il a été contacté, etc. Et vu qu'il y a la saison 3 qui sort normalement, ben, là, dans deux jours, ce mercredi, je tenais à vous passer ce petit passage que j'ai trouvé intéressant. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. En fait, t'as cru que c'était une connerie? Pour moi, c'était de la connerie, on se moquait de moi, en fait. Parce que je reçois ce DM sur Instagram de Laurie que j'embrasse. Il me dit, ouais, tu serais chaud de faire une Nouvelle École, on aime bien ton profil, on a vu et tout. Je me dis, vas-y, je vais lui répondre. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé, il m'a proposé, j'ai vu que c'était sérieux. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le destin au final. Et donc, tu dis, ok. Je dis, ok. Tu viens à Paris faire un test? Comment ça se passe? Non, en fait, ma première audition, je l'ai fait sur une réunion Teams. C'est vrai? Ouais, sur une réunion Teams. Carrément, c'était gênant parce que je me présente, etc. Et tout. Et puis, on me dit, bah, vas-y, freestyle. Du coup, je suis chez moi dans mon salon. devant, en plus, tu connais, je dépose mon téléphone, je mets un livre pour le tenir comme ça et tout. Il me demande de freestyler, je dis... Oui, c'est un peu ridicule, en ouais, fait. Ouais, là, maintenant, comme ça. Je dis, sans prod, ouais. Et ça m'énervait trop, parce que je me suis dit, en plus, ça se trouve, il m'entend en différé, le mec et tout, tu vois. Puis après, il y a eu une première entrevue à Bruxelles avec juste la production, là où j'ai encore freestylé, je me suis présenté et tout devant la production officielle. Puis après, là, ils m'ont dit que j'ai officiellement pris, et puis ça, on a tourné directement le premier épisode avec Shai. Ensuite, il y a le rappeur Hakim qui a présenté le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Et ils l'ont présenté directement en vidéo. Et c'est une vidéo qui a été publiée directement par l'OM. Donc ouais, je tenais à vous la partager. Et encore félicitations à Hakim. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. L'OM sur la peau, Marseille dans les veines. Ici, on porte ce qu'on aime et on aime ce qui vous porte. Les pages se tournent, l'histoire s'écrit, ce qui reste nous sommes. Ici, les croyants crient, les athées prient, ce qui donne reçoit. Faut des épaules pour nous porter. Le poids de l'histoire sur notre cœur. Faut des épaules pour le porter. Le poids des mots dans tous nos cœurs. À l'unisson. Tous différents, mais en uniforme. Notre héritage, notre culture, notre identité, mais un seul maillot. Du premier cri au dernier souffle, ce maillot, c'est nous. Et ici, on aime ce qui nous porte. À Marseille, on porte plus qu'un maillot. Ensuite, suite au premier vote des tours, il y a plusieurs rappeurs qui ont appelé au vote pour ce dimanche. Et là, pour commencer, on a Bébé Jack Kadji. Les amis, je vais être concis, votons dimanche. Mais surtout, votons bien. Si vous êtes ouvert à l'autre, si vous êtes ouvert à l'art, si vous adhérez aux principes qui font que l'on peut vivre ensemble en paix, d'où que l'on vienne et qui que l'on soit, allons faire barrage dimanche au Front National, RN, qui a 6 jours de prendre le pouvoir dans notre pays. Bébé Jack et Enbao. Et en gros, ben, c'est un message qu'il a mis justement sur ses réseaux. Et il appelle ses fans à faire barrage contre le RN ce dimanche. Et en gros, ben, pour voter, il n'y a pas besoin de carte électorale, etc. Tu vois, il y a plein de personnes qui ne le savent pas, mais avec une simple carte vitale, carte d'identité, voilà quoi, ben, vous pouvez directement voter. Donc voilà. Et en gros, ben, il y a également Dooms qui a passé un message pour justement ben, faire barrage à l'extrême droite. Et il a réagi au premier tour. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Un petit message. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Maître Jims le premier. Les gars, c'est comment?
Bon, Games il peut pas parce qu'il doit 1,5 million aux impôts, mais les gars c'est comment? Le reste là, ceux qui sont là, vous devez rien à personne. Parlez les frères, wesh, ça vous coûte quoi? Zéro, la bulle. Le 7, c'est le dernier. Si c'est pas ça là, niquez-vous. Et les gars, pour rappel, il n'y a qu'un seul extrême. Il n'y a que l'extrême droite. C'est les seuls qu'il faut éteindre. Pour de vrai. Des racistes depuis. Et c'est pas aujourd'hui. Parlons à côté musique, parce que moi là je suis énervé. Ensuite l'équipe, je tiens juste à préciser que j'ai créé une chaîne spéciale pour Dans le Radar, pour en gros ben, remettre justement les épisodes dessus et plusieurs freestyles qui ont été tournés, qui seront justement disponibles sur la chaîne. Donc je vous invite à aller vous abonner pour les personnes intéressées. Et en parlant de Dans le Radar, il y a l'épisode 4 qui sort sur ma chaîne, normalement ben, mercredi. Puisque je viens de terminer le montage, donc ouais, je vais la programmer et je vous la mets justement mercredi à 18h, en plus d'une vidéo actuelle, etc. Donc je compte vraiment sur vous l'équipe pour être présent. Je me suis cassé la tête pour le montage, je crois qu'elle dure plus de 50 minutes, mais il y a plusieurs freestyles, c'est des pépites. Je vous invite à être là l'équipe. Ensuite, on a Zamdam qui a passé un message sur scène à ses fans, et il a appelé à faire barrage à l'extrême droite pour ce dimanche, en direct de son concert. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Juste un truc à dire, moi ça me fait plaisir de voir tout le monde ensemble. Des Français d'origine française, des Français d'autres origines, des étrangers d'autres origines. Il y a tout le monde aujourd'hui devant moi et ça fait plaisir. Et pour moi c'est ça la France. Merci la France, merci l'immigration. Merci tous les autres pays du monde, on est tous ensemble les frères. Ensemble, bas les côtes du Front National. Ensuite, il y a également Taizi qui a passé un message contre l'extrême droite et il a appelé à aller voter pour ce dimanche. On peut voir qu'il a dit « On a fait un bon boulot, mais c'est pas assez. Il faut que tout le monde aille voter l'équipe. On sait jamais ce que ça peut changer. Il suffit d'une carte vitale. Et si on est tous concentrés, on... le RN au second tour. Blanc, noir, arabe, asiatique, peu importe ce que vous êtes, on est tous ensemble contre ces fils de colons. Rendez-vous dimanche. » Et c'est un message de Taizi qu'il a mis sur ses réseaux. Et il appelle les gens à aller voter ce dimanche. Et c'est vraiment, vraiment important l'équipe. Ensuite, il y a également Rof qui a passé un message d'union sur scène en direct du festival Sun Square. Et il a appelé les gens à faire barrage à l'extrême droite pour ce dimanche. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. On est bien ici, on est tous ensemble. Il y a des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Asiates, il y a tout. C'est la France, c'est la nôtre. Hein? Vive la diversité, ok? Il n'y a pas de haine ici, on est entre nous. Eh ouais. Eh, Dieu nous a fait pour qu'on vive ensemble. Ok? Pour qu'on s'entre reconnaisse, pour qu'on s'aime. C'est comme ça la vie, frère. C'est pas une vie de vivre avec la haine, détester son prochain, lui souhaiter du mal, le dégager. Eh non. L'humain, il doit être meilleur que ça, non? Sinon, il sert à quoi? Toute ta vie, tu vis dans la haine, t'es pas heureux. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils passent leur vie à nous mépriser, à nous insulter, à nous dénigrer toute l'année. Tu peux pas être heureux comme ça, non? Tu viens avec de la haine dans ton cœur toute l'année comme ça? Ah non. Allez avec moi, extrême droite! Fuck l'extrême droite! Vous dites aussi que vous n'êtes pas une star mais un mec connu. Ouais. C'est une des raisons de votre popularité, vous pensez? Je sais pas si c'est une des raisons, mais j'ai essayé de faire comme beaucoup, de mettre des Louis Vuitton, des trucs. J'arrive pas, mon caractère fait que c'est pas mon truc, je suis mal à l'aise, je roule avec une, à Marseille, tu vois ma C1, ma petite C1, elle est fracassée. Je suis plus à l'aise comme ça parce qu'une voiture, ça m'amène point A au point B, ça veut pas dire que j'aime pas les belles voitures. Ma montre, c'est un collègue à moi qui me l'a offert, c'est pas une Rolex. Et dans l'imaginaire des gens, une star, c'est quelqu'un qui montre un peu ses revenus, qui montre. Moi, je suis plutôt, c'est sûr que je suis un mec connu, oui, je peux pas, quand je vais faire les courses, je commence à parler de, avec tout le monde me passe sa famille au téléphone. ma vie, c'est ça. Il y a des gens qui arrivent, qui s'arrêtent, ça y est, oh, Sopra, même on m'appelle plus des fois maintenant Saïd. Alors Saïd, ça va, super, le morceau, le concert et tout. Tu sais, ma mère, elle est venue te voir et tout, tu peux lui faire un petit bonjour. C'est ma vie, c'est comme ça, c'est plus ça que les soirées mondaines ou les jets privés. Bon, moi, je suis dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que j'ai dit que je suis pas une star, je suis un mec connu. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe.
donc voilà l'équipe, je vais pas te rendre fou. Si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé sur Instagram, sur Snap, peu importe, y'a pas de soucis. Et puis bah sinon je te dis à sort pour une même conscience, une même vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gangs. La mise elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard en dit non, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bêtes. J'suis pas approché par Def Jam, j'cumule à peine 4000 j'aime. J'écris comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chocards, ils savent que HLZM il est à base. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros kamas. Viens récup la peu frasée, j'dis pour faire rentrer, c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase mon cul comme mes go de cigarette, j'leur fais des séquelles. J'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le big team, j'ai ma paire de TN. J'attends que ça paye, mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 E, j'peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, j'dis que l'instru, j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et Vita. Et là, j'suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée, normal qu'on embellit. Du quartier, faut que j'me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banale au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...